La grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Moi, je pense que l'Assemblée nationale doit faire ce travail. Je recommande la Papa Mbosso, parce que la Moussa, la Longo, la Immunité, il y a Mwanga Tchoutchou. Il faut encore maintenant pour épauler les Bolumbu. Mais parce que quand ils continuent à avoir des immunités, je ne sais pas. Incidence ni négo ça là. Je demande, Balongo la Immunité, Atika la Bolumbu, c'est un criminel. Il ne mérite pas l'honneur d'être un député national. Donc les immunités doivent lui être retirées. Mwanga Tchoutchou, Obi, combien de Batabouma? 10 millions de morts à l'est de notre pays. Mais c'est les multinationales. Coltan Mwanga Tchoutchou a été à Salaga. A été à Angoua. Mais à Kenaouté Gangoukouna. Pas de toi, Tindaraï. Et ces gens-là créent la mort de manière gratuite en République démocratique du Congo. Mais nous, en contrepartie, sur Tokangi Bango, Tromboum Bango la prison, un inconscient, un jour, à Goko Manamboka au Congo, après aller à une grâce présidentielle, à Bimiseli Bissou Mwanga Tchoutchou. Non, non! Mwanga Tchoutchou devait être fusillé. Aucune élection n'a fait a été contestée comme celle d'Albert Yuma. Aucune. Mais Albert Yuma, il y a un Mbogote. Mbogote a économie, Mbogote soufflé. Et PMA a respiré. Il a contrôlé l'économie, ils ont quitté la politique. Plus ou moins, mais il a bloqué l'économie, il a embrigadé l'économie. Et ils ont des Albert Yuma. Moutou Bago, préservez vos intérêts. Si vous voulez faire équilibrer les intérêts politiques, économiques et à Kabila, si vous voulez faire Kabila économiquement, il faut d'abord que vous ayez Albert Yuma. Bouclier na voilà. Président de la Fédération des entreprises. C'est les soldes d'été chez Mima Mode. Le spécialiste de la chaussure italienne de luxe et de costumes haute couture vous fait bénéficier d'une remise de moins 20% sur l'ensemble de sa gamme de produits. Profitez-en du 28 juin au 25 juillet 2023. Mima Mode, notre boutique se situe au 12 rue Parisis à Dreux. Venez découvrir notre nouvelle collection de chaussures de luxe faites par des artisans italiens, tels que nos Richelieu, en cuir pleine fleur, ou nos mocassins tricolores, ainsi que nos nouveaux costumes de cérémonie haute couture. La qualité et la diversité de ces collections vous donneront l'embarras du choix, et vous bénéficierez de nos conseils avisés grâce à notre expertise de plus de 15 ans. Rendez-vous également sur notre site internet www.mimamode.com. Avec Mimamode, l'élégance au masculin, c'est pour vous. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant, ou de conservateurs. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale.
un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteurmiracle.com. Mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir très nombreux dans notre grande chaîne Yeba TV. En ce jour de samedi 6 octobre 2023, le jour où le président de la République, candidat de l'Union sacrée, va certainement déposer sa candidature. Bientôt, nous allons nous rendre pour vous donner des informations en détail dans notre grande chaîne Yeba TV. Mais avant que cela n'arrive, l'actualité est tellement abondante qu'il nous exige de tout réfléchir, qu'on en parle de vive voix pour que vous comprendre davantage ce qui se passe en République démocratique du Congo, les dernières nouvelles. Il y a lobby lundi pour que vous allez au parfum, pour que vous ne ratiez rien na évolution Yamboka Congo. Mes remerciements à l'ensemble de l'équipe Yeba TV, cette équipe costaud qui a fait un travail de titan. Ezali Kokamba m'a parlé de Chandra Kloolo. Bandeko Nyonso, Tozali Kosala Bango Moussala, le pasteur Gili, mon frère Mitteranaya, mon frère Trésor Kandolo, ma consoeur Abigail Kilungu, madame Pascaline Kassongo, côté à équipe technique, vous avez HD les petits génies, Azali Rabina Rabi Mokoko, Meshak Otuli en ces moments, Wakosala Yemoko Moussala Nyonsoana, vous avez Mike Tiswaka. Donc l'ensemble de l'équipe Yeba TV, au début de chaque émission, nous les remercions parce que si nous vous arrivons na banda konabino na ndenge bokumo na ba condition yo, c'est parce qu'il y a des énergies, il y a des moyens qui me sont mis en place, il y a des efforts qui sont consentis en toute humilité et c'est ngeli de reconnaître ce travail des titans. Voilà. À l'entrée de jeu, là vous présentez bino menu, le menu de cette mission. Qu'est-ce que nous avons prévu Nini Toko servir bino na quatrième émission. Urgent. Le député national Mwanga Tchoutchou a été condamné à la prison à la peine de mort. Il a été condamné à la peine de mort. Le verdict a été rendu hier na haute cour militaire et une condamnation il y a 100 millions de dollars américains payables à francs congolais. Bokoye baba détail union sort les circonstances qui ont émaillé bongo condamnation naie et puis bongo analyse nabiso quant à ces. Toujours sur le secteur judiciaire, Trombe Tamasolo, il y a secteur judiciaire. Les gardes du corps de Chérubin Okende a finalement été transféré dans la prison centrale de Makala. Mais c'est Nico Kabunda Oboyebi. Malamu, je vais présenter ce qu'il est, évidemment. Il a été transféré après 3 mois. Bongo, il y a détention na ye, na commissariat principal, il y a la police. Il était le Azali Bongo, le principal suspect. Il n'était pas le seul. Bazalaki na mususu, l'autre a été relâché. Bokoye baba détail nyonso na katia et mission oyo. Bandeko, le procès 100 jours, il faut complètement l'oublier parce que le dernier rescapé, il y a dossier à 100 jours, vient d'être libéré. Il vient d'être libéré parce qu'il a été acquitté. Il a été condamné au début
comme tous les autres, mais il vient de bénéficier, bongo, acquittement devant la justice. Quelle analyse faire de ces dossiers? Que de ces messieurs, il a été poursuivi pour quel chef d'inculpation? Émission, est-ce qu'on doit-il continuer à faire confiance à cette justice ou pas? Que devons-nous faire? Quant à ces, les solaires sous 4 obéta makambouya, l'omniprésent Albert Yuma, l'ancien, l'actuel, l'éternel président FEC, Fédération des entreprises congolaises, a Kolinga Kosala un sale coup. Nous avons appris que Alinga Kosala un sale coup pour que Akoma président FEC à vie. Pourquoi Akosala Yango? Qu'est-ce qu'il est en train de faire Bokoyi Bayango et qui est Albert Yuma et quelle est son implication dans la destruction de l'économie congolaise? L'ECC plaide Pona va ouvrir bureau de traitement des candidatures pour permettre ma députée il y a Martin Fayulu va qu'il ne postuler. Donc les candidats de Martin Fayulu va qu'il ne postuler. Est-ce une recommandation réfléchie? Est-ce Kosala Kosala parti pris? Quelle analyse sur Kosala contenté Bokoyi Bayango na Katia? Et mission, oh, dernière chose, tu remets ma solo, il y a Jar, tu es un candidat président de la République, à l'obi, à Kobunda Pona Makambuya Jar. Bah, tu mets de Batuningaï, Héritier Ngachi, Kobunda Pona Makambuya Jar, et Zali, Oyo Mokonzamboka Kobunda, la te Zali, Makambu Moussousou, vous allez avoir en image quelle est la perception. Et Toumba et Ajar, c'est leur candidat président de la République, parce que vous le savez, c'est Denis Mukwege, c'est de lui qu'il s'agit, à Betegui Masolo et Ajar. Donc, nous allons entrer dans beaucoup de détails. D'abord, nous sommes Miki Miki Tolobité, Awa en liminaire. Mais au cours de cette émission, Toko Lobayango. Voilà, on attache nos ceintures. On commence avec notre premier sujet. Masolo, il y a condamnation, il y a député national. Mangatutu, je continue de l'appeler député national parce que curieusement, bah, immunité n'a pas été longuée. Donc, Edouard Mangatutu n'a pas bah, tiré le colombo là-bas, immunité n'a été, bien qu'il a été condamné. Mangatutu, hier, le 6 septembre dernier, devant la haute cour militaire, nous avons assisté à un verdict, il y a condamnation, il y a Mangatutu. Il a été condamné pour la prison à mort, donc la peine de mort. La peine de mort, pourquoi je le dis? Nous avons tendance à la prison à mort ou prison à vie parce que Nakati, il y a arsenal judiciaire Nabiso. Donc, on a Mibeko et Abiso à Congo. La peine de mort existe. Mais si Kawa, application Nango et Zalaka interdite. Interdite parce que nous avons pris un moratoire de suspension de l'exécution de la peine de mort. Ce qui va condamner Moutou la peine de mort, a reçu la prison à vie. Parce que, bah, communioca. Peine Oezali, Bongo, Koko Kanana peine de mort, et Zalaka prison à vie. Il y a une tendance, il y a une confusion, il y a une mini peine de mort ou tantôt prison à vie. Parce que la peine de mort existe dans notre code pénal congolais, livre 2, je crois article 5, qu'on prévoit peine de mort pour des infractions. Notamment infraction pour la civile, infraction il y a meurtre, na infraction il y a assassinat. Mais aussi pour la militaire, et Zali. À peu près 27 chefs d'inculpation. Désobéi, peine de mort. Au salibou, peine de mort. Donc, peine de mort va s'appliquera. Mingi, il y a beaucoup d'infractions. Peine de mort pour les militaires plutôt que pour les civils. Pour les civils, peine de mort, ils auraient exécuté pour, je crois, 2 infractions. Mangatutu a été reconnu coupable. Les gens qui disaient, Namonaki Mandekonangaï, des petits mandias, ma petite bangombongo. Bah, l'équipe a dit non, nous réclamons justice pour Mangatutu parce qu'il est injustement poursuivi par la justice congolaise. Mais, Babi Malissou, sur le lot, pas Ebisabiso. Mangatutu a été reconnu pour 2 chefs d'inculpation. Inculpation Liboso, il a été reconnu coupable à détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre. Donc, il a été reconnu coupable. Boyoka, il a été reconnu coupable. Démontré en fait et en acte devant la juridiction, la haute cour militaire, pour responsable, coupable, il y a chef d'inculpation, il y a détention illégale d'armes à feu et munitions de guerre. La loi ne donne pas l'autorisation à un député national, il y a armes à feu, il y a munitions de guerre. Asal Lalango, Nini,
Il y a Zali député national. Président, il y a Oyekomi Lelo M23. À l'époque, CNDP, parce que toutes les structures criminelles, il y a Paul Kagame, échange à Nangoka, combo, selon les périodes. C'est la même chose. C'est le PPRD, c'est le CNDP, c'est le PRP, c'est l'AFDEL, c'est le M23 aujourd'hui, c'est la même chose. Ce sont les ramifications de la même plante, du même arbre généalogique qu'on appelle l'arbre de la mort. L'arbre de la mort, Paul Kagame, n'a pas multinational. Il va changer la tactique, n'a pas combo. Donc, aujourd'hui, Mwanga Tchoutchou a été reconnu pour le chef d'inculpation, il y a détention illégale d'armes à feu et munitions de guerre. Premier chef d'inculpation. Le second chef d'inculpation, Ezali Bongo, participation à un mouvement insurrectionnel. Donc, on a établi en fait, tout comme en acte, en parole, les liens qui existent entre Mwanga Tchoutchou et les M23. Donc, il a été reconnu pour responsable et à participation à un mouvement insurrectionnel M23. Mouvement insurrectionnel, mouvement terroriste. Mwanga Tchoutchou était ou est le véritable patron du M23 en République démocratique du Congo. C'est lui qui les alimente, c'est lui, Moutako Tiabango, dans des conditions à recruter à travers ma bras sécurité des criminels au Rwanda, ma côté Sibango, Nabisundu, Israël, son entreprise qui avait les monopoles, il y a Koltan et Congo, ma côté Sibango Teni, il y a la police congolaise, ma côté Sibango Minduki, et ces gens-là avaient pour responsabilité armer, alimenter, contrôler les actions du M23 sur notre territoire. Kopé Sabango renseignement, qu'on fournit Bango logistique, Kopé Sabango Bongo ba information, enfin que Babo Mambouka au Congo, ba tient insécurité et Bango ba exploiter coltan sans vergogne, sans que Bazala inquiète. Donc, Mwanga Tchoutchou a été condamné pour ces deux chefs d'inculpation. Il a été condamné pour la participation à un mouvement insurrectionnel, un mouvement terroriste M23, mais aussi pour la infraction et la détention illégale d'armes à feu et munitions de guerre. La haute cour militaire, siégeant en matière répressive, de Moutassali décision, on a le 6 octobre dernier, donc vendredi. Moutassali prononcé, il y a verdict, et Zali président, il y a haute cour militaire. Mais Mwanga Tchoutchou n'a pas été poursuivi, celle, Bazalagi Mibale. Lui et son co-préveni, le commandant Moucha Mamoura. Robert, lui, a été acquitté parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'éléments pour Nako. Démontrer responsabilité, tout culpabilité, naïe. Voilà, Mwanga Tchoutchou est condamné pour la peine de mort, mais la peine de mort va exécuter en gros la République démocratique du Congo. Il va faire la prison à vie. Mwanga Tchoutchou a, je crois, une soixantaine d'années d'âge. Je pense que cette peine, ce que c'est exécuté, Mwanga Tchoutchou sortira de la prison Kakaya et Bembe. Ça doit être clair, il faut vous comprendre. Donc, il sortira de la prison Kamukula Okufa. Vivant, non, il ne peut pas sortir de la prison parce qu'il a une condamnation, il y a peine de mort. Ce qui va communier en gros, peine équivalente en gros, et allé prison à vie. Donc, Timukolo Okufa. Mais si Kawa, inquiétude n'abissez pas allé nini. Avec la manipulation de la justice, avec les gens qui utilisent les ordonnances du chef de l'État, il y a ma grâce présidentielle, pour ma côté, ça va criminel. Toko banga, qui le toko ka ke Mwanga Tchoutchou, aza en Angleterre, ke Mwanga Tchoutchou a kenda Rwanda, ke Mwanga Tchoutchou a bima pays, parce que situation sanitaire na e, et c'est dégradé qui, que état de santé na e beba qui, yango fallait qu'il évacuer Libanda, et c'est une sorte, il y a issue, ma fongo lié les fenêtres peu, à qui manaye libela. Moutou, oh ya ko me kakope sa Mwanga Tchoutchou, possibilité de sortir de la prison, bah, Congolais, toko s'en prendre na moutouana. Azala nani. Parce que Mwanga Tchoutchou, na ma kamounia sur ma sali na mboka au Congo, il mérite, moi je pense, Mwanga Tchoutchou pouvait être fusillé. Fallait qu'on bomaye boué. Parce que la peine de mort existe. On pouvait le fusiller aux États-Unis d'Amérique, qui est un pays démocratique. La vieille démocratie, mais Babou Marabatou, la peine de mort, est allée applicable.
biso a pepin de mort ezali. Mais à cause y a ma complaisance na biso. À cause y a qu'on sépélisation qui va nani. Nous avons supprimé l'exécution. Nous avons suspendu l'exécution de la peine de mort par les moratoires. Moratoire on est en manqué na ba né 2001. Mais l'évolution de la situation est salie était que ma criminel et belé ba ko banga sousouté. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire la prison et babima après. Mais s'ils savent qu'ils peuvent être tués, exécutés dans la peine de mort, bon, ko banga. Mutroka monga chuchu, ayoka Congolais mawate. Un sanguinaire iné, mwabota mana na gou ya makila. Ya koyoka biso mawate. Pourquoi biso to koyoka e mawa, na ba complaisance ya ba mibe ko na biso yo. Des lois complaisantes. Les lois existent pour régler des problèmes de la société. Parce que la loi a été pour un sentiment. La loi obéit à des logiques. Logique, il y a l'iboso, et il y a la nécessité. Il y a mis les opportunités. On fait la loi pour une nécessité. On fait la loi lorsqu'il y a opportunité. Mais aujourd'hui, on se rend compte que limite, il y a qu'on peut exécuter peine de mort. Suspension et qu'on jouait un effet sur les criminels. Mais c'est pas mon gars. C'est un assassin. C'est un criminel. Il doit être supprimé. Tout le monde a été éliminé. Mais il va faire la prison. Il a beaucoup d'argent. A relier ça. Le lorsque qui m'a conduit à mort à Félix Antoine Tshisekedi à Longwe. Oya Koyaka. Parce que le président ne sera pas président Libela Libela. A Zamboto. Djoto Golemba. Mandek aussi là. Mais Bato Bakoya Simanaye. Est-ce que vous pensez à mon gâteau sur grâce présidentielle? C'est ça que vous avez dit en Angola. Un jour, après 10 ans, après 20 ans, vous avez dit mon gâteau sur la prison, mon gâteau sur la prison, mon gâteau sur la mon gâteau sur la Kigali. Moi, je pense que nous devons prendre le courage nécessaire pour te suspendre, te lever moratoire à l'exécution à peine de mort. Le cas, mon gâteau, te zouiller. Parce que la peine de mort est légale. Elle est prévue par la loi. Elle est prévue par la loi. Mais son exécution des moutons au salamaté. Dans la Bible, des gens qui ont été condamnés et qui ont été tués. Koboma et Sengele Salama conformément na Mibeko. Conformément à la loi. Et quand on se conforme à la loi, il n'y a pas de problème. Il faut que certaines vies, elles aient la supprimer. Pour laisser la société et de se développer de manière harmonieuse. Et ça n'a pas tout le monde. Combien de bataboma? 10 millions de morts à l'est de notre pays. Mais c'est le multinational. Coltan monga tchou à Salaga. A te gango api. Mais à kena ou te gango kuna. Papa toi tindagaï. Et ces gens-là créent la mort de manière gratuite en République démocratique du Congo. Mais nous, en contrepartie, sur Tokangi Bango, Tokumba Bango la prison. Un inconscient, un jour, à Goko Manamboka au Congo, après aller, à une grâce présidentielle, à Bimisele Bissou Mongatutu. Non, non, Mongatutu devait être fusillé. Bon, pendrayé. Ce qui m'a pendrayé, c'est que salé injection létale, bon, tout bien ton gars, accueilli. Sans pitié pour des gens qui n'ont pas de pitié pour les autres. Sans pitié pour des gens qui tuent. Facilement, gratuitement, sans remords, sans regret. Mon gars, tu as bomi, ma kile tangi na est, yé koto yo, ba mota na yé, ezo mata. Ateki koltan, ateki koto yo, transaction salamagi. Il n'a pas de pitié. Maintenant, pourquoi biso to rozala, la pitié ba ta modèle wana. Donc, je pense que, li kambo o yonako bundaka, ya kolongo la exécution, kolongo la moratoire, ya peine de mort. Il y a des vies qui doivent être supprimées pour laisser ces pays évoluer. Mboko yo, pour évoluer, ça n'a pas tout fou bakoufa. Ya li boso monga tutu. Ya mi balè moutou moussou souana. L'autre, n'a pas souhaité lui ouen motote, mais ceux qui azali coupable, reconnu coupable. Condamné à peine de mort, n'engue mobe ko sengeli, il faut qu'on exécute yango, il en va de soi. Pour que batumisusu, bakouya kouya babanga, il peut pas venir s'aventurer ici. Faut pas yo rake, oyo, et apena simankoba, son ameko tchamusapina okatana. Faut pas yo rake, somme Congo. Les gens n'ont plus peur de la République démocratique du Congo. Ils viennent, ils font des bêtises, banan bongo, bakora prêt, de n'enga monga tout rosakana, $1 million, la ligne n'a pongi. Azela, 5 ans, Félix Elongwa. Batoubaroya, n'a repèse à $500,000. N'a procureur,
Nous avons fait ça. Dans la juridiction militaire, nous avons 200 000 dollars dans le Kabila, juge président, 300 000 dollars dans la personne telle, et puis au moins, nous avons fait le coup de temps, ça les liés documents, au moment où tu as remis les femmes Mamboko au Congo, et puis il quitte le pays, c'est comme ça. Les victimes, nous avons fait ça, Sali, M23, il y a un bongo, nous avons abandonné notre triste sort. Il faut que ça cesse, Babilo Kouana. Voilà. Makambo, il fallait tout le bana dossier. Il y a Monga Chouchou, dernière chose, Nenepsegibino, immunité na Longwete, je n'ai pas compris. Parce que en député national, c'est vrai qu'il a été poursuivi en procédure flagrante. Bandekofo, ça c'est aussi pédagogique. Flagrant c'est Alinine. Flagrant c'est Ali, ceux qui m'a kangi au commettre infraction. Tant qu'on commettre infraction, flagrant c'est Yangwana. Procédure y'a kangelayo, et en dengue mokote ceux qui ont salé infraction kala. Infraction ceux qui ont salé yango kala, et en la procédure normale. Respect sa invitation, bakobengayo, malembe. On les allait procéder normal. Mais ce qui va kangi au sale infraction, bakobengayo, infraction flagrante. Procédure nango pesa flagrante. Ça dit bakangi yo mbalamoko, bakayi ko sambisayo. Ce que vous allez député national, tous allez na ba immunité, bakangi na flagrance, ba immunité na yo esa sou na tinati. Bakangayo, bakoyi na yo. Parce ambition balamongo nakaya monga chuchu il a été arrêté na flagrance. Mais sikawa tango basambisiye il a été reconnu coupable et sengeli pe balongo na ba immunité na yé. Moi je pense que l'Assemblée nationale doit faire ce travail. Je recommande la papa mboso basala musala balongo na ba immunité ya monga chuchu. Il faut akoma pena boye polele bolumbu. Mais parce que quand il continue à avoir des immunités, je ne sais pas. Incidence ni négocié comme ça. Je demande, balongo la immunité, mais Atika la Bolumbu, c'est un criminel. Il ne mérite pas l'honneur d'être un député national. Donc les immunités doivent lui être retirées. Nous restons dans ce secteur judiciaire parce que j'avais promis de remettre à Massolo la justice Mingi. Mais là, dans six gens et l'autre, te remettre à Sika Ali Solo, il y a garde du corps, il y a député national Chérimé Okende de Rez Mémoire. Le garde du corps de Chérimé Okende, comme on a dit, Nico Kabunda. Nico Kabunda. Le miraculeux garde du corps. Lui qui a été le garde du corps, Yabato Bakoufaka. Il est le garde du corps, Yabato Bakoufaka. On nous a appris qu'il a été le garde du corps. Augustin Katumamouaki. Katumamouaki Akoufa, Ndenge Boyebi. Aïko Koma, garde du corps, il y a papa Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, Akoufi. Aïko Koma, garde du corps, il y a honorable Chérimé Okende. Chérimé Okende, Akoufi. Yé, aza garde du corps, Ali Babé. Aza garde du corps, il y a Corbillard, Amimarabatouna cimetière. Ou bien ça rappe la responsabilité na kati ya makambo nyoso. Parce que le batu nyoso wa koufi, visiblement, ba zaribe batu ya kamoko. Katumamwa ke FCC, batu ya Kabila. Pierre Lumbi, batu ya Kabila. Conseiller spécial ya Kabila. Pendant tout ce temps, ayeko koumana Moïse Katumbi. Moïse, batu ya Kabila. Alongwe, Chérimé Okende, Moutoua Kabila, Bayo Kabonana Kabila, a commis la Moïse Katumbi. Batoukara ya Kabila, parce que c'est du pareil au même. Bangonion son moboko, même moral, comme disent les Kinois. Les trois personnalités sont toutes mortes dans des circonstances toébité. Tata Nzambeka ya Yebi. Mais c'est le même garde du corps qui a traversé les personnalités. Oya Koufi, Alongo Akena, Oya Koufi, Alongo Ake, Aya Koufi. Kaka Moutoumoko. Akenge Laka, Bato Bakoufaga. Est-ce que la Nyon Souana a sa responsabilité te avec la justice, il y a Kabila. On ne pouvait même pas espérer que cet homme, un jour, sera déféré devant la justice. Parce que, ce qui a sa responsabilité, Moko, Bato Batindakae, mais ça, Bato Bakou, contrôle justice. Jamais je ne pourrais livrer moi dans la bango.
Et il a été protégé pendant tout ce temps. Je parle au conditionnel. Au cas où il aurait, au cas où il aurait une responsabilité, je parle au conditionnel. Au cas où il aurait une responsabilité, na baliwa ya batata ou nyoso. Donc, na jitus ya Kabila, on pouvait même pas s'imaginer un seul instant que bakouri, ko bimisaye, bakouri ko livreye. Po bato yo, bazalgi na simaye bato wana, ezapeka bato yo ba gérera justice. Mais lelo, plus ou moins c'est pas le cas. Les abouettés, le régime a changé, on laisse la justice faire son travail, malgré qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans la justice. Bata mafia, bata le kotro, bata ma messa na kop pour le vivre. Bata na secteur judiciaire. Bata kele bango liberté, pas mon kondiamboka, mais bango bango niango kitoko, libertinage pour basa la kop na bango bakou. Mais quand cela ne tienne, on devait des procès à commencer. Ndeko Niko Kabunda a été. Depuis Toloba, trois mois yangoyo, Makambe Salami, Azalaki Bongo, arrêté le 13 juillet dernier. Le 13 juillet, Boyebi Yango Malamu, Azalaki Ngongaoyo, Tokendaki, Komona corps, il y a honorable Sheribo Kende, criblé des balles, na Katia Jeep Naye, na poids lourd, dans un entrepôt. Immédiatement, les chauffeurs, qui disait des choses. Oh yo, tu vas comprendre te. Garde du corps, oh Batinda qui soi-disant, on a mis la main sur lui. Bandeko, en matière pénale, en matière y a crime, les premiers suspects, oh yo Balandelaka, lorsqu'il est mort, et ça va entourage d'aïe. Parce que, bango moutou bazalakanae, bango moutou bazalakan déplacement d'aïe, c'est possible que bateau va boumaki, bazabato balie kanae. Et c'est comme ça que, quand on ouvre une enquête, bah, suspect à l'Iboso, bah, tout, voilà. Moi, si, naé, bananaé, garde du corps, naé, chauffeur, naé, sentinelle, naé, bah, tout, nyoso, voilà. Bah, on l'a dit, ça, bango, na checking judiciaire. Bah, on checké, bango. Pour un mec, à goyer, bah, on va savoir, il est mort où, à quelle heure, à Zanaginanani. Qui est la dernière personne à avoir parlé avec lui? C'est comme ça. Et ça, périmètre judiciaire. Bien, mon périmètre judiciaire. Rayon d'enquête. Police nationale congolaise. Interrogatoire. Parce que la police, et ça, mais ça raté. La police, et ça, justice. La police, et ça, lit, n'a pas OPJ, la compétence générale. Bah, qu'aux oyaux. Bah, quand il y a un cas, interrogatoire, ce qui est ici, quand ça la banquette, bah, il y a un cas, il y a une justice pour qu'il y ait un samba. Et là, après autant de mois d'éditation, Niko Kabunda vient d'être transféré dans la prison centrale, il y a Makala. Il est le principal, jusqu'à maintenant, il est le principal suspect. Il y a un des principaux suspects. Donc vous comprenez ce qu'il représente pour la justice. Donc je ne peux pas me battre. Parce que si, Batikiye, et donc, possible, soit justice a la piste Moussoussou, soit justice a la locote. Donc, Kotika Kabunda, c'est soit vous n'avez rien, vous êtes perdu dans ma piste d'Abino, soit vous moni piste Moussoussou, vous n'avez pas exploré. Et on va comprendre que Zaye Tende, Moutouazan Alikambo, Botiki. C'est comme le cas. Parce qu'il a été, il n'est pas le seul à avoir été interpellé. Bakanga qui y est, garde du corps, Bakanga qui est chauffeur. Mais chauffeur, lui a été libéré depuis le 3 octobre, sur décision du parquet. Le chauffeur de l'honorable Sheribo Kende, du défunt Sheribo Kende, a été libéré le 3 octobre. Le Tosali le 7, donc le 3 octobre, il va libérer qui est. Il va en côté, les gens ne le savent pas. Il a été libéré. Le chauffeur a été libéré. Le 3 octobre, sur décision, il y a parquet. Mais il est mis sous examen judiciaire. Vous avez compris? Nengezara la poto. Sous examen judiciaire. Donc, Ozagara, sous le regard de la justice, ils ont la condition pour couper ça. Tant que ce n'est pas ça. Quand on a été, Ernie Sotozana Posana Yo, Yaka. Comme Mambo Kate, Salabo, on a sous-examen judiciaire. Donc, ok, Mobimba. Mais ma libéré yo,
Mais aux sous-examen judiciaire. Examen judiciaire, ils ont assorti les conditions. Donc, voilà, ma principale information, il fallait tout le monde dans le dossier, voilà, le garde du corps, il y a Chérubé Okende, transféré à la prison centrale de Makala, son chauffeur, bien entendu, libéré depuis le 3 octobre, Oyo, mais sous examen judiciaire. Batoumalobaki Mingi, il y a beaucoup de gens supputés, mais laissons la justice et Salamoussalanaï. Ma dossier à modèle Aboué, c'est de la haute criminalité. On tue quelqu'un, on le crime des balles, bah, il faut replacer dans Moutoukanaé, bah, démarrer Moutouka, bah, Kotikaé, tout ça. Donc, il y a la scène des crimes qui a été bien préparée. Il y a un scénario derrière. Il y a les acteurs du scénario. Il y a le lieu du scénario. Il y a les temps. La durée. Les temps, c'est-à-dire, Ngonganyo, sommet, durée, il y a scène. Tout ça, là, on parle combien de secondes? Scénario, hein. C'est-à-dire, bah, tu vas salaki en gros, et ça, bah, non, comme auto. Il y a bah, vrai, bah, yakuza, des hauts criminels. Alors, les criminels, tant que ça, il va tracer. Il efface les traces. Ils éliminent des empreintes et tout ça. Il va nettoyer un pot. Soit il prend des gants. Soit si, il va mettre des gants. C'est tout simplement pour désorienter piste. Il y a un enquêteur. Il va quelque part, il va mettre abomi awa na poilu azu munduki akobwa ko nzela nzela abokye ona maluku siko ndeni bokoye bage munduki oyo mutaye ko boka ngo eza garde du corps à Chérubé. Donc ils font tout pour effacer les traces, pour ne rien laisser derrière, et c'est comme ça que c'est un travail méticuleux, un travail minutieux. Ça demande makambe belé bande ko foko ba kutuke même na banquette oyo parfois on fait appel na ba esprit. Ça, ce sont des informations. Majeur, ma quête, vous voyez, on fait parfois appel à l'esprit supérieur. Donc, ce n'est pas une blague, comme les gens pensent que si c'était facile, on arrêterait, bah, tu ne sois pas ça, crime, on aurait le scénario plus ou moins parfait, qui est, et ça, qui bouge. Mais si on n'y arrive pas, c'est un travail sérieux, c'est un travail méticuleux. Il y a un moto qui exige plus de réformes dans le secteur judiciaire. En termes, il y a qualité à bateau. Va vous prester équipement. Je ne sais pas, ceux qui sont policiers scientifiques du Congo, ils ont des moyens nécessaires. Je ne sais pas si vous avez des stade de martyrs, vous avez des concerts, vous avez des musiciens, vous avez des combo. Tant que vous avez jour et lundi, vous avez des matchs sur le terrain. Or, en réalité, le terrain est comme qui? Il y a scène et crime. Il fallait faire des enquêtes. Est-ce que vous avez des coups? Étouffement. Est-ce que Zagina Batoumaza hypertendit? Quelle était la responsabilité à l'organisation et à l'organisateur Naliwa Batouana? Mais l'objet de mon match, et ainsi de suite. Donc, je pense que même la police scientifique n'a pas suffisamment fait son travail ou il n'y avait pas la volonté à faire avancer l'enquête dans ce sens-là. Donc, il y a un grand travail. Les gens ici ont tendance à banaliser l'Iwa. Oui, Moutakoufi, bon, bon, la vie continue. Hein? Non! Quand Moutakoufi, vous devez vous arrêter. Savoir, il est mort de quoi? Qu'est-ce que Memi Liwanaï? Ni Nitoko ko sala pour Liwa modèle aboué salamate. La mort existe, la mort elle est naturelle. C'est le dernier acte, c'est au salaraton qui va y mettre. Mais cependant, il faut que Liwa Ngweza Ndegni. Est-ce que ça l'est mort naturelle? Tant mieux, tu commis si tu attends Zambé, mon père si vous mouillez. Mais ce que ça l'est provoqué par les humains, provoqué par les caprices des gens. Et c'est que nous avons dit, mais ça l'a mis pour arrêter le Kouaboué Salamansoté. Mais ici, on banalise. Le parti politique qui est en Moko, on l'a remplacé. Bah remplacé, Moui, à la morgue, bah remplacé. La justice est au Salama, décision définitive, nous les avons mis. Même pour honneur, il y a Chérubé Okende, on l'a remplacé. Bah il y a Nani, bah il y a Hervé Diakese, porte-parole. Hervé Diakese, Nani, celui qui a été les candidats. Les candidats, il y a l'église catholique, na Séni. Vous avez compris le jeu des acteurs. Donc, il fallait soit contrôler la CENI, soit il fallait créer des choses, des situations, il y a chaos et ainsi de suite. Bah, la logique, ils étaient sur beaucoup de terrains, plusieurs terrains. Ceux qui ont simbité Tokena O, ceux qui ont simbité Tokena O. Hervé Diakese maintenant remplace Chérubé Okende à la tête, il y a parti politique, comme porte-parole et ensemble. Mais Chérubé, cornez à la morgue. Plus de deuil, tu peux s'en aller, Chérubé, tu peux t'assumer sur la tête. La page Chérubé a été tournée complètement. Samawa! Tout le monde est cynique.
Toi, africain, toi, ma bantou. Et ma blonde, sous ton salaire, tu es coréen à nous. Coréen à morgue. Nous sommes des Africains. Dans le respect, pour nos morts, et bien, nous sommes tous salés. Et alors, on est moi aussi, à son nom, je suis à Koufi, je suis à Koufi, je suis à Koufi, je suis à Koufi. Et alors, on est moi à Koufi, quand on est dans la morgue, on apprend comme je suis à Koufi. Quel respect aux gens qui sont à Koufi. C'est ce qui s'est fait, la partie ensemble pour la République. On a pris. Hervé Diaké, c'est porte-parole ensemble. La page Cheribo Kende oubliée. A Koufi, non, nous coûtons. Non, nous coûtons à Koundi. J'imagine, soit sali 2 ans, tôt 3 ans. Est-ce que Moïse Katumbi a eu un hôtel là-bas, Cheribé, n'est-ce pas un hôtel là-bas, on joue avec enthousiasme, on a ma caméra, on a mokili. Voilà comment on joue avec la vie des gens. Voilà comment on joue sur la dignité des gens. Pour un intérêt politique, un intérêt mesquin. Vous avez été son leader. Il est mort, il n'est pas encore enterré. Pour montrer votre attachement à cette personne, pour montrer sous votre attachement, du respect que vous avez pour lui, au tiki non sur soi, Makamounios. Qui vous a dit qu'ensemble, pour le salat et vivre, il faut apporter parole? Est-ce que Hervé Dekes ne pouvait pas parler sans qu'Azala formellement désigné comme porte-parole? Batounios, on va le voir ensemble. Bazala porte-parole? Non. Mais il parle, il pouvait aussi parler. Mais par respect, gardez-moi sens où il y a des sens. Il y a mon moutou, mon moutou. Mon tigre n'en pense pas, tu kundis chéribé au kende. Et après, quand le day sera fini, on aura la possibilité de retarder la nomination. Mais comme on utilise les gens, c'est au koufi au kéi, au koufi pour, au koufi au longwe. Et c'est ça, parti politique. Donc, voilà ce qu'on avait à dire à ce sujet. Les Amawa, les Congolais vont comprendre. Bajar, il y a bateau, il y a beaucoup manipulé, bis sur les Congolais entre nous. Ils n'ont aucune considération, qu'un respect. Le lot, à moi, la Moussa, la Moïse Katumbi, si tu disparais, et tu disparais, ben, c'est fini pour toi. Il n'a aucune considération. À quoi la famille, il y a un rapport à buzz, pour battre à mon aïe qui. Sur les buzz, c'est le dossier dans eux, et regroupe sous sous. Et ça, sous bitin politique, et ça, sous bien, pour l'avantage, naïe. Et on participe sur le terrain, on crée une baisse autour de sa personne, c'est fini, il oublie, il vient plus, il cherche un autre dossier. Et c'est fini, ton histoire, c'est fini. Il y a un moment où Chakinda là, tant qu'il y a une prison, Moïse a été en Tchombo. Tant qu'il y a une prison, il y a été. Moïse Katumbi a tiré la voix qui n'a pas Mike Mukeba été. Quand Mike Mukeba est en prison, il vient, Nanda y a Mike, à l'issue de la famille, il y a une autorisation. A suivre la photo, on a Mike et Mike, a bien on a TV, on a Mike, on a malheureux, on a autre chose, ça va être bon. Voilà des gens comme ça, sans moralité. Mike Mukebaï, dans toute sa vie, a protégé sa famille. A Lingabana, il a TVT. A Lingarate, je le connais, c'est mon vieux. A Lingabana, il a TVT. Il aime que sa famille est à la loi et à mon donner à la politique. Il y a Bitumbana et à la politique. Quand vous amenez sa famille, vous mêlez sa famille, ma casse. La politique, pour la babeuse, c'est grave. Mais je ne sais pas trop place à aller sur un globateur, peut-être parce que par discipline, c'est un garantiment. Mais dans mon témoignage, je sais qu'il y a ça tout à moi. Alors, il passe ma case. On prend ses enfants, même si on a terrain politique. Il y a même un bain de la politique. Mais moi, je ne sais pas si on a un bain de la cima. Non, il ne le fait pas. Il sait faire la part des choses entre son domaine privé, bananaé, n'a pas de l'Italie politique. Mais tu as là, bateau va servir des gens sans moralité. Voilà! Donc, il y a un troisième dossier, je remonte lentement vers la fin. Bandeko, déception pour nous les Congolais. Le projet 100 jours, qui a été procès 100 jours, qui a été véritablement pour Nabisso, le premier procès du régime Nabisso, on a crié que Elinga qui produit va résulter belé. Mais chaque jour qui passe, nous nous rendons compte que tous allez s'écarter davantage de la vérité et qu'il n'y a plus d'espoir dans le projet d'un procès 100 jours. Le dernier rescapé, la dernière personne à avoir été condamnée dans ces projets, dans ces procès, allais-je dire, ces projets qui aboutissent à un procès, lequel procès s'est vidé par deux acquittements. Le dernier, c'est M. Fulgence Bamarose Lobota. Vous avez vu M. Fulgence Bamarose Lobota, mon arrière procès, à la DG à Foner. Il était le DG à Foner. DG à Foner, fonds et entretien routier. Bana l'arrière n'est pas blagué. Bana ba million ces gens-là, ba million. Il a été condamné.
en 2020, a condamné qui est pour la prison, pour la condamnation en 5 ans. Mais il a été acquitté. Acquitté où? Devant la haute, devant la cour de cassation. Cette cour de cassation qui a acquitté tous les criminels il y a 100 jours. Mais maintenant, d'une part, Mbongwe Bunga, il est Balanda Elaye, un dossier à 50 millions de dollars. 50 millions de dollars détournés, il y a des niais publics. Les 50 millions de dollars, ils ont gagné la caisse à l'État. Mais les prétendues personnes qui ont touché les 50 millions de dollars, qui ont détourné les 50 millions de dollars, ont été acquittées. Ça montre que la justice a failli. Ça montre que la justice est en limite. Yango, le président de la République, a raison de n'accorder aucune considération, aucun crédit à cette justice parce que la justice nous a dessus. Nous a dessus. Dessus, alors dessus. Les derniers rescapés, il y a 100 jours, il y a eu Abimi. Mais c'est Fulgence. Au Monara, il y a un procès, il y a TV. Des jeux à Foner. Bah, libéré, ils ont l'argent. Aozeli Kara, Bazeli, Makelele Kita. Pression et Kita. Pourquoi il y a eu Kébisou, Congolais, tout ça, il y a Chocho. Ce qui est dossier, c'est un moto, tout le monde en on en parle. Ce qui est ici, c'est Tobosan. C'est comme si nous avons mis son nom sur amnésie. Tobosan, c'est un Kambo. Kabilo, Abomi, en tout cas, Lelo, Lelo, il y a un Kambo. Azonga. On oublie, mais comme ça, il y a deux jours passés. Amnésie collective, on a kokangote. Et mon ami, mon ami, nazaka nga moko zoba na bande comme tout ça na bangwa. Comment les gens peuvent oublier ma gamnios? Donc on oublie tout. On oublie tout, alors tout. Aujourd'hui, Amar Maroz a quitté devant la cour de cassation 50 millions de dollars volés en éclat, plus de chance. Alors, procès à 100 jours où ils allaient tâcher d'huile. Je pense que second mandat autozali nango autoko peuple a renouvelé biso, nous devons nous concentrer sur la justice parce que elle nous a dessus. Voilà. Ensuite, on va parler d'un dernier sujet. Bande koboyebi Albert Yuma. Ce que vous évitez n'a représenté binoyé. Albert Yuma azalaki président du conseil d'administration de Gécamine. Président du conseil d'administration Gécamine, vous avez une photo. Papa, il y a Albert Yuma. Président du conseil d'administration de Gécamine. Financier de la présidence de Kabila. Il était membre du conseil d'administration de la Banque centrale. Il était président FEC. Président FEC. Yemoko, président d'une entreprise, c'est-à-dire Gécamine. Yemoko, président. Il y a syndicat, il y a entrepreneur. C'est comme vous allez président d'une entreprise et puis il y a un président syndicaliste. On a évité que ce compatibilité à la repart. Albert Yuma, pour contrôler les secteurs, les richissimes Albert Yuma, les patrons, l'homme par qui tous les sales coups, il y a un minerai à Congo est passé. Tous les sales coups, et les cas chez Albert Yuma, à travers lui. Les bras droits, les gens avec qui Kabila a détruit cette économie. Bien beaucoup n'en a blagué. Yedan Gettler, Kabila et les autres. Tous les sales le coup, il y a un minerai à Congo. Albert Yuma. T'as qu'à président Gécamine, il y a un conseil d'administration Gécamine. Kati Gécamine avec 120 entreprises, des concessionnaires. Kati Gécamine, oui. Kaboli, Bango Moko. Propriétaire, il y a une entreprise ou un écran. Bako liya mbongo à l'État comme pas possible. Bako liya ba minerai à Congo comme pas possible. J'ai ramené à Bimsi minerai côté bango zone entreprise na bango. Albert Yuma, tu combien à 2020 élection salami, il est prévu qu'on salami élection. Je crois qu'on a fait que ça a 4 ans. À Poli, na ba élection, à Poli, il a perdu. Un monsieur gagne brillamment ces élections. Fort de ses moyens, l'omniprésent, l'omniscient, l'éternel président FEC, Albert Yuma, utilise l'argent pour obtenir annulation et décision. Il y a élection et salamaki librement. Wapi,
devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Machine, il y a ma décision locuta, ma décision corrompue. Tribunal de grande instance de Kinshasa. Voilà. Ma soukana bataba, il y a ma solo, ma frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Une décision vient, annule l'élection. Il y a Moutou Zagui élu. Et ma Zouye Albert Yuma, ma réhabilité, la badouanae, là, le cotro. Aucune élection n'a fait a été contestée comme celle d'Albert Yuma. Aucune. Mais Albert Yuma, l'igini n'a pas eu. Alors, c'est un bon côté. Bah, quand tu as économie, un bon côté soufflé. FM a respiré. Bah, quand il va contrôler l'économie, ils ont quitté la politique. Plus ou moins, mais bah, bloquer l'économie, bah, brigader l'économie. Et ils ont des Albert Yuma. Moutou, bah, préserver l'intérêt na bango. Si vous voulez faire équiler les intérêts politiques économiques de Kabila, ce que vous voulez dire Kabila économiquement, il faut d'abord que vous ayez Albert Yuma, bouclier na yé wana, président de la Fédération des entreprises. Bouclier na yé. J'apprends, il semblerait que Albert Yuma a se préparé à son coma pour que comme président à vie. Il y a fait. Donc, Azalawana libéra, libéra, ti, mokolo. Tata Nzamba ko samoli monae. C'est très dangereux. J'alerte. Nabo iba tout balé là. Bino bozalio, nous soutenons le chef de l'État. Makambo yangoana. Qu'on soutenir le chef de l'État, il y a tuitité. Bino boza pemé ni amoko Nzambo ka. Dossier yango. Si l'économie congolaise est respirée bien, c'est à cause de la kamikaze de Albert Yuma. Madame Mbongo, madame Mbongo, petite, ils ont bradé l'économie congolaise, le minerai de la République du Congo va continuer, va longueter, va zakaka. Leur influence continue à planer dans l'économie Mbongo. Si nous ne faisons pas partir Albert Yuma, ceux qui sont bloqués étaient dans le forcing au Salasikawa. Parce qu'en 2024, il faut passer à l'élection. Mais il y a un pour cette élection, ça l'a maté, article là, libéra, libéra, libéra. Alors soyons rassurés, son temps est révolu. Il a fait ce qu'il a fait, il a amassé de l'argent comme il en a pu. Albert Yuma, c'est l'une des fortunes de l'Afrique. Soukana milliardaire. Il a des entreprises ça et là. L'entreprise écran, l'entreprise à l'Okuta. Il démarre un marché public. A autobeta soukana kopa. Ba million ya jekamine volatilisé. Mbongo longe jekamine. Et yé na banque moko privée. Pour ba convertir en eke na banque centrale. Mbongo limoué. Na katikati. Ou les rapports ya Global Witness. Global Witness. Cette ONG. Ba enquêta sur. Ba kopo Albert Yuma sali a salité. Mais. Si la justice ne peut pas le toucher, parce que tout le temps la justice est encore complaisante, mais au moins, il y a de l'ongola, il y a de l'ongola, il y a de qu'on le mette à côté, il y a de nouvelles énergies, il y a de libérer le secteur et l'entrepreneuriat congolais, le secteur et le patronat congolais, parce que avec les mêmes personnes, soyons rassurés que rien ne va changer. Voilà. Et donc, à Souka, SCC et Sengi va ouvrir. BRTC, BRTC, c'est le bureau de traitement des candidatures. Par le Biba Fongola, le bureau de traitement des candidatures, pour Martin Fayulu, Nzambe à Congo, Nzambe na Bango, a déposé candidature, il y a un député. Il y a un député qui a été en Nzambe. Mais on a dit que ça a été la loi ne doit pas être injuste. J'explique ça. Pour la Bino Basali en Nzambe, pour retenir. La loi ne peut pas être injuste. La loi doit prévoir l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire les mêmes chances pour tous. Tant que Batier Mobeko, qui est dépôt de candidature, vous allez pour autant de mois. Batunios, il faut baser à l'ego. Pour ceux qui veulent déposer et ceux qui ne veulent pas. Maintenant, Batou va décider. Pour se conformer à la loi, va prêter un document, une candidature, va déposer. Mais il y a un individu qui lui refuse de déposer dans les temps fixés. Mais il a décidé d'aérotique à l'angonganaï et à l'air. Et vous, les hommes de Dieu, vous encouragez une bêtise pareille. Vous demandez qu'on ouvre
les bureaux de traitement des candidatures pour qu'un seul individu à quota. Attends, minimum, vous voyez son été. Donc, la loi n'est plus égale. Elle s'applique sur tous les Congolais, mais s'applique de manière particulière à l'individu Martin Fayulu. Donc, la République démocratique du Congo, d'après Bino Batoua, SCC, au bout de ça, les recommandations, est gérée par les humeurs et les caprices de Martin Fayulu. Papa, vous cola quoi? To cola. Grandissons, prenons les niveaux, prenons de la hauteur. Pour nini, ma kaboyabou. Batounioso va déposer ma candidature, basa va zoba. Batounioso va respecter des délais, basa va douter. Quand Martin Fayulu est congolais, il est quand même moutou, il faut qu'il redépose dans Tango Yalingi. Et puis vous, vous demandez à la CENI Bafongola, bureau de traitement des candidatures, pour naïe. Ne prenez pas les Congolais pour des idiots, s'il vous plaît. Botika, le voilà, botika. Ce n'est pas si bien bon, vous l'avez bien. Vous l'avez bien bon, évitez ça. Vous évitez, bien bon. Pendant que il y a un candidat présent en réplique qui a dit qu'il y a le pasteur Ngalas. Ngalas, pasteur, j'ai aucun problème, na yo, mais je pense que Okoko Sabatou. Ils ont un sentiment de l'homme qui a été en train de se faire. C'est punissable. Donc, Nzambe a été trompé. Pour Nzambe, il y a 2023, Félix Tshisekedi n'a pas besoin de mandat. Comment dire qui sait qu'en 2023, Félix sera président de la République a été en train de se faire. Et puis nous avons échoué, raté. Dieu ne échoue pas. Notre Dieu est tout puissant, il ne échoue pas. Parce que nous avons échoué. Si nous avons échoué, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons s'est trompé. Évitez ça. Je ne parle pas de vous comme pasteur. Là, aucun problème. Mais je parle de Ngalas comme, pasteur, comme politique. Comme politique, évite qu'on ait comme Nzambe. Ma venture, on a tout baillé en haut. Dieu ne peut pas se tromper. Parce que vous allez humilier. Si vous avez eu un peu voté 2000, 3000. Donc, Dieu ne peut pas se tromper. Qui a dit que vous avez eu un peu de temps. Président, il y a eu une révélation. Et puis, les Congolais ont voté dans la communauté. Pas de l'aventure. Si vous avez eu un peu de temps, vous avez eu un peu de temps. Vous avez eu un peu de temps. Inutilement. Parce que, je vais mettre un défi. En 2023, on va se moquer de lui. Alors, c'est quand on finit sa Nzambe. Nzambe au bisou de Sambe, la race tout puissant. Donc Dieu ne peut pas s'illustrer dans des bassesses, dans des petitesses. Nzambe a lingi, Mokondi Amboka. C'est clair. Le président a consacré à Zumboko à des liens au Nzambe. C'est clair. Donc, tu as la moté, maman, là, mounaye, Nzambe a lingi. Et donc, Nzambe a regroupé sa mission, mon côté, siège, mon côté, dans des individus. Un président de nuit et un président de jour. Ce qui est aux révélations, et vous avez Satan peut être émission parce que parfois, tu vas confondre. Ce qui est discernement, vous connaissez un Nzambe, mais c'est Satan. Satan pas à l'obara. Satan passe à la révélation. Satan passe à la révélation. Je vais vous sur cette photo. Dans mon candidat, mon président de la République, c'est de Denis Mukwege qui s'agit. Candidat américain, candidat lobbying, il y a un multinational qui est à l'est du Congo. Alors, il y a un monde pour un jar, pour instaurer jar. Mais il y a une constitution qui prévoit jar. Et Sengeli, 30% il y a représentativité à ma femme. Et Sengi, ben égalité de chance, il y a un de jar. Denis Mukwege a ko lobeza ndenge nini. Bande ko regarder sur cette photo, jar ya Denis Mukwege nde yangwana. Il veut nous imposer des sales pratiques autre télé. Ta la garçon, moni talo lati. Moni, moni garçon, garçon. Moni lo lati, ta la wana. Elamba lati. O moi si to mobali. Ce que Jacques Odeni Mukwege a kolinga yango candidat sataniste et modèle à Bongo et ko leka na mboko ko Congo te biso za bana nzambe ba pratique wana ya pambala pambala asala mon occident arrête pas que nous ça on a France pas ça on a États-Unis arrête biso toi ba bantu toi na ba valeur culturelle na biso donc yo candidat ya ba lele candidat ya ba double sim arrête arrête. Ah ouais, t'es Denis Mukwege, t'es pas mélio. Ah ouais, t'es. Non, c'est pas avec ces histoires ici. Pour na yoki na tuni, j'ai demandé na ba ninga baza pembe na tuni, c'est quoi la perception ya combat ya jar ya Denis Mukwege balobi eza makambo ya ba LGBT parce que il est soutenu par la communauté ba LGBT, ba to na ndem to ba pesa rien bon ba bailleur de fond. Donc quand il deviendra président de la République, il va imposer pratique wana, ba pratique démoniaque na mboka Congo. Et monsieur Sili complètement. Dernière des choses, nous avons un cas qui nous préoccupe. Wanezali na DGC. La DGC na venu loi précisément.
nous avons été contactés par une famille. Il y a maman Dorcelli Wakuchal, na papa José Mbaï Wakuchal. Les gens ont pris de justice. Na venu wana, il y a un marché de fortune. C'est-à-dire, ma maman va être quand même le sol, la DGC. Les colons na bango, singa ya courant, ba singa ya courant. Bandeko, bota la image, binomoko. Singa courant sur les têtes des Congolais. Les mamans vont dans même les sorts. Ce qui m'a le béti, c'est ce qui m'a dit. Je suis déjà place au wana. Mais comme la SNEL n'a évité à Sala Naïn, sur Doé, a l'inga occupé en côté. Donc, il y a une période de Mboula. Les Congolais sont l'inga. Tomi l'inga. Bato bakufa kina batali kibala, ce sont nos frères. Ce sont nos mamans. Bato balobi no to luka ka mbongo wana, mais mutako ko luka mbongo te au péril de sa vie. Singa ya courant na mutu na yelo ko la toile d'araignée na ndako. Singa ya courant loko la singa bilamba na lupango. Au-dessus de la tête, image que zali boko mona yango. Bande ko bakuba ko teka na ba condition ya modèle ya bongo. Plusieurs fois ba famille ba komeli snel parce que ezagi singa, ezagi nini ya ku souterrain. Ezagi nini souterrain. Après, je suis en Likolo. Au début, je suis en Likolo. Mais je suis en Pemeni, je suis en de frauduler, je suis en courant, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Les gens vont insulter le chef de l'État. Tant que je suis en train de faire ça, Félix a vomi. Mais est-ce que Félix, c'est quelle fois que Nadé, je suis barré? Donc, Félix, c'est quelle fois que je suis en train de faire ça? Les gens sont nés, nous sommes nés amis. Dans la vie, à Batou, au péril de leur vie, ils ont été place sur Wana. Les familles ont écrit, comme l'IDGC, ils ont dit à Snell. Bon, on a dit à courant, ils ont dit à Zali, bongo, avertissement écrit, l'alarme écrit de déteste de la population de Zali Wana. Ce qui dégage Salami, ce qui est Koufi, responsable numéro 1, Zali Snell. Quand on a dit la vidéo, donc c'est ici émission la mission sur cette note. Ciao. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le remarquer, nous allons dans le quartier Finda, dans la DGC, dans la zone, Bandeko, comme vous pouvez vous rendre compte, Basinga Oyo, nous allons juste au-dessus des têtes et ma maman Nabiso. Ma côté Kaawa, au péril de leur vie. Quand la mine était dans le Koufa, dans Matadikibala, c'était pareil. Singa courant au-dessus de leur tête, dans le mois de février 2022, ma maman a koufa dans des conditions au boyébi. Je refuse que et le modèle à bongo et se répéter awa dans nos zones. Parce que ces fils constituent véritablement menace pour ma maman. Nous avons battu et ça singa bilamba, deux toiles d'araignée en d'Aramoto. Ok, singa courant. Na kati awa, ce sont des masses d'énergie au tambola. L'icolo ya moutu ya bateau. Quand il lui plaît, bandeko bakanga makawa, l'icolo ya masse ya courant. Wana. Nous sommes bientôt sur la saison pluvieuse. Si rien n'est fait et qu'aucune solution n'est prise de la part de l'autorité, soyons rassurés que Tokunda Batu Bele Awa. Et tout ça, on mettra dans la tête du chef de l'État. Oh, il y avait possibilité, il y a qu'anticiper, il y avait possibilité, il y a qu'au prévenir. C'est comme ça que j'alerte l'autorité, il y a SNEL, les DG de la SNEL. Monsieur le DG, agent dans le Awa. Je accorde la solution mon côté. D'ailleurs, je vais s'en foutre dans un mot. Mais c'est le DG qui a la situation. Oui. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, c'est une question de la sécurité. Quand il y a péril en demain, quand il y a perte, il y a vie humaine, c'est la responsabilité à Bakondiza y engager, notamment responsabilité à Yo et pour sécuriser la paisible citoyen. Le vice-premier ministre de l'intérieur, regardez cette situation. Les gouverneurs de la ville, l'autorité urbaine, en lieu et place de venir enterrer les gens, il y a lieu, il y a pour prévenir Yango. Ces fils au-dessus de tête de nos mamans qui vont d'ici, ils allaient menacer danger à Makassi. Baroteka n'a c'est à Liwa. Parce que ma fille, oh, Nicolas Mitou, n'a pas de Liwa. Et c'est chaque jour qu'elle partage calvaire oh, au quotidien. Il y a de nécessité, il y a pour corriger, nécessité d'anticiper en lieu place à Yavokunda Bibembe. Ce qui est bon, Yavokunda Bibembe, bon, je suppose qu'il est intéressant de préserver parce que vie humaine, le vie humaine, ils ont la prêté.
bomoi ezalaka na priti. Donc l'État congolais, les autorités, bomoni, monsieur le DG de la SNEL, vous avez appris. Ma famille va commis pour que va sécuriser Bango. Parce qu'ils sont en insécurité, mais rien n'a été fait de la part de la SNEL. Rien n'a été fait du côté de la police. Bayakawa, comme toujours, la police va tracasser à Pamba. Mais pour trouver des vraies solutions à ces problèmes, rien n'a été fait. Donc, on a interpellé, c'est un cri d'alarme, un cri de détresse. Il y a un moment où il y a une solution pour la Singapour. Il y a des alliés qui ont été en train de vivre chaque jour au quotidien. Je vous remercie. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.